Les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir une nouvelle dramatique de Raoul Praxi, La Victime. Le concours Attention aux machines et le petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Personne de Raoul Praxi, auteur de la nouvelle dramatique La Victime, que nous allons vous faire entendre dans un instant, l'émission Faits divers se réjouit de compter une nouvelle recrue. Il y aurait certes beaucoup de ridicule de ma part à prétendre présenter Raoul Praxi, vice-président de la Société des auteurs dramatiques depuis 15 ans, et dont les auditeurs de la radio peuvent apprécier chaque lundi sur la chaîne parisienne la série d'émissions Du fiacre à l'hélicoptère. Raoul Praxi m'a conté lui-même ses débuts en ces termes. J'ai commencé par monter sur les planches avant d'y installer les autres. Tandis qu'à la porte Saint-Martin, je clamais dans le rôle de guiche les alexandrins héroïques d'Edmond Rostand, je faisais représenter coup sur coup au théâtre des Jazets, qui était alors le temple du Vaudeville, quatre pièces, parmi lesquelles Chérie de sa concierge, qui a été jouée depuis des centaines de fois tant en France qu'à l'étranger, et dont on a tiré deux films, un de ceux-ci interprété par Fernandel. Par la suite, je produisis pour ainsi dire sans arrêt une trentaine de pièces au bas mot. Faute de temps, je ne puis rappeler ici que quelques titres. Le jeu du mari, Dollar, Enlevez-moi, Azor, Jeu de dame, Jeff. Autant de titres, autant de succès, je ne l'apprends à personne. Mais ce que je puis vous apprendre, c'est que grâce à Faits divers, cet auteur chevronné fait en somme de nouveaux débuts. En effet, la pièce que nous allons vous présenter, La Victime, est la première pièce dramatique de ce spécialiste de la comédie, du vaudeville et de la comédie musicale. Le détail est assez piquant pour mériter d'être signalé. Pour les auditeurs de Faits divers, Raoul Praxi a choisi de traiter le thème du crime passionnel. C'est le fait divers, hélas, courant, banal autant que pitoyable. Celui qui a fourni à Raoul Praxi le point de départ de son histoire, nous le devons à Madame Lecointre de Paris. Mais notre auteur a considérablement corsé l'affaire et lui a retiré toute banalité en imaginant une situation exceptionnelle. L'héroïne, en effet, tue son mari et son amant. Voilà qui est plus rare. Et cela donne une histoire poignante sur laquelle j'aurais scrupule à ajouter le moindre commentaire. Mieux vaut certes 100 fois m'effacer devant les héros du drame. Veuillez, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, écouter La Victime. Suzy Prime, Henri Guizol et Marcel André dans une nouvelle dramatique de Raoul Praxi, La Victime. Nous sommes en cour d'assises le 28 octobre 1950. Le prétoire est comble, le tout Paris est là.
Quelle salle! 3 ministres, 7 académiciens. 7, tu crois? Oh, 6 plus un futur certain. Des hommes de lettres à l'appel, une bonne douzaine de stars et starlettes. La générale de l'amour punie d'un ouïe hier soir à Marigny n'était pas plus brillante, plus parisienne. Jusqu'aux mannequins de chez Dior qui sont tous là en serré. L'accusée était sans doute une bonne cliente. Chocolat? Merci. J'aime aussi les chocolats. Tiens, Henri, je ne vous avais pas vu. Moi, je vous ai immédiatement reconnu à votre parfum et à votre nuque. La plus jolie nuque de Paris. D'après vous, quel sera le verdict? Il peut aller de l'acquittement à la peine de mort. C'est ce qu'on appelle ne pas prendre de risques. Dans une affaire comme celle-là, il n'est pas possible d'en prendre. Il est absolument impossible de pronostiquer. On m'a certifié que l'avocat général était décidé à réclamer la peine capitale. Pourquoi pas? Il n'en est pas à une tête près. Quel silence tout à coup. Messieurs, la cour. C'est la première fois que j'assiste à un procès d'assises. C'est rudement impressionnant. Oh, ça ne fait que commencer. Garde, faites entrer l'accusé. J'ai hâte de voir si elle ressemble à cette photo de François. Convenez que l'on a du mal à imaginer que cette petite bonne femme insignifiante puisse être l'héroïne d'un aussi sensationnel doublé. Accusé, levez-vous. Vos noms, prénoms, profession. Mazet Simone, veuve d'Hermont, 30 ans sans profession. Pendant que le président continue à procéder à l'interrogatoire d'identité de l'accusé, les 12 jurés regardent avec curiosité cette salle élégante, bruyante et parfumée et s'efforcent de mettre un nom sur chaque visage. Ils sont interrompus dans leur recherche par le président qui leur demande de prêter serment. Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre Simone Mazet, veuve d'Hermont. De ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse. De ne communiquer avec personne jusqu'à votre déclaration. De n'écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte ou l'affection. De vous décider d'après les charges et les moyens de la défense, selon votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. Et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. Je le jure, je le jure, je le jure. Le président avertit maintenant l'accusé d'être attentive à ce qu'elle va entendre, et lecture est donnée par le greffier de l'acte d'accusation. Puis, on procède à l'appel des témoins qui sont invités à se retirer dans la salle qui leur est réservée. Les débats commencent alors par l'interrogatoire de l'accusé. Veuve d'Hermont, comme vous venez de l'entendre, vous êtes accusé d'avoir abattu à l'aide d'une arme à feu le 21 février dernier, et ce à une heure d'intervalle, votre mari et votre amant. Reconnaissez-vous les faits? Je les reconnais. À quelle date vous êtes-vous marié? 13 janvier 1946, monsieur le président. Mariage d'amour? Lorsque j'ai connu mon mari, il n'avait qu'une très petite situation dans une maison de primeur. Il ne pouvait donc pas être question pour moi d'un mariage d'intérêt. Monsieur Dermont avait pourtant assez d'argent en banque pour lui permettre d'acquérir, quelques mois après votre mariage, une charge de mandataire rural. J'ignorais absolument que mon mari avait de l'argent de côté. Il m'avait même affirmé à plusieurs reprises que la guerre l'avait ruiné. Et vous n'avez pas été surprise du changement de vie qui, du jour au lendemain, s'opéra dans votre foyer? Mon mari m'a parlé alors d'un héritage qu'il venait de faire. Vous eûtes alors, à dater de cette époque, une existence facile. Oui, monsieur le président. Et vous n'aviez rien, dans aucun domaine, à reprocher à votre mari? Absolument rien. Ce n'est donc pas par vengeance que vous l'avez trompé? Non, monsieur le président. Quand êtes-vous devenue la maîtresse de monsieur Dubois? En février 49. C'est-à-dire après 3 ans de mariage? Oui, monsieur le président. En somme, monsieur Dubois était votre amant depuis 1 an lorsque vous avez commis votre double meurtre? Depuis 1 an. D'après les rapports de police, vous alliez le rejoindre 2 ou 3 fois par semaine en son appartement de la rue de Chazelle. 2 fois les premiers temps, 3 et 4 fois par la suite. Vous en étiez très éprise? Très. Vous n'en preniez pas moins grand soin de tenir votre liaison secrète? Bien qu'ayant confiance en moi, mon mari était très jaloux et
Je le savais fort capable, s'il apprenait la vérité, de se livrer à un acte de violence ou de désespoir. Et plutôt que de courir le risque que son mari se suicide, l'accusée a préféré le supprimer elle-même. Je saurais gré à la partie civile de ne pas interrompre cet interrogatoire et de ne pas provoquer des rires qui sont pour le moins déplacés. Je suis d'ailleurs décidé à ne tolérer aucune sorte de manifestation. Monsieur Dubois était-il votre premier amant? Jusqu'au jour où j'ai connu Robert, Monsieur Dubois, je n'avais jamais songé à tromper mon mari. Tous les renseignements qu'on a pu recueillir à ce sujet, messieurs les jurés, confirment les dires de l'accusé dont la conduite jusque-là sans dans les faits avoir été irréprochable. Veuillez nous dire maintenant comment vous avez fait la connaissance de Monsieur Dubois. Un matin d'octobre 1948, j'ai trouvé dans mon courrier une lettre. Anonyme ? Non. Pas anonyme. Cette lettre était signée Robert Dubois. Celui-ci m'écrivait qu'il m'avait rencontré plusieurs fois dans la rue, dans l'autobus, dans le métro, et qu'un jour il m'avait même suivi jusqu'à ma porte sans avoir osé m'adresser la parole. Après toutes les banalités sur mon physique, sur ma grâce, sur ma distinction qu'un homme peut décrire en pareil cas, qu'il terminait comme il se doit par une demande de rendez-vous. Sans y attacher la moindre importance, je déchirai cette lettre et en jetai les morceaux au panier. Quelques jours plus tard, nouvelle missive dans le même style. Je réservais à celle-ci le même sort qu'à la précédente. Mais mon soupirant ne se lassait pas. Tous les deux jours, je recevais un message de plus en plus exalté, de plus en plus pressant. Je commençais à être exaspérée. Je songeais même à mettre mon mari au courant et à lui demander d'intervenir afin de faire cesser cette correspondance. Lorsque, brusquement, le silence se fit. Ce silence dura un mois. Et je commençais à oublier cette aventure lorsqu'un matin, je reconnus dans mon courrier l'écriture de mon inconnu. Dans cette nouvelle lettre, il me disait avoir tout fait pour m'oublier, mais ne pas y être parvenu, et il me supplia de lui accorder un rendez-vous, un seul, s'engageant formellement à ne plus jamais m'importuner après. Je ne répondis pas. Mais pour la première fois, je ne déchirai pas cette lettre et la cachai dans mon secrétaire. Deux jours plus tard, nouveau billet suivi d'un nouveau silence. Je me rends compte à présent que Robert jouait intentionnellement avec moi, comme le chat avec la souris. Il me grisait de mots d'amour, me sevrait brusquement de ces lettres qui m'étaient devenues nécessaires, indispensables. 10 fois, pour qu'il recommence à m'écrire, je songeais à répondre à ces lettres précédentes, mais je me reprenais très vite en pensant aux conséquences que pourrait avoir pour moi un tel geste. C'est alors que je reçus le 10 décembre, je me souviens très exactement de la date, un court message dans lequel il me disait que devant quitter la France pour de longs mois, il me suppliait encore une fois de le rencontrer quelques instants afin de lui permettre d'emporter une dernière image de moi. Il ajoutait qu'il m'attendrait le lendemain à 5 heures dans un thé avenue Georges V. J'étais bouleversée. Et je changeais 10 fois de résolution en 24 heures. Mais j'étais, je l'avoue, terriblement intriguée par cet inconnu qui, depuis plus de 2 mois, sans se lasser, sans que je lui ai jamais répondu, m'avait adressé toutes ses déclarations. D'ailleurs, pensais-je, puisqu'il doit quitter la France pour longtemps, je ne risque vraiment rien d'aller prendre une tasse de thé avec lui. Et cela me permettra de lui dire que je suis une femme heureuse, que je n'ai aucune raison de tromper mon mari et qu'il n'a rien à espérer de moi. Le lendemain, à 5 heures, je me rendis donc au rendez-vous que Robert m'avait fixé. Je me trouvais en présence d'un homme qui, loin de me parler d'une passion soudaine, irrésistible comme je m'y attendais, et qui m'eut immédiatement cabré. M'entretint de sa solitude morale depuis qu'il avait perdu sa femme, qu'il aimait tendrement et que je lui rappelais, paraît-il, d'étranges façons. Le premier jour où il m'avait rencontré, il avait été frappé, me dit-il, par cette ressemblance et
avait été alors obsédé par l'idée de me connaître. Là était l'explication de son insistance déplacée qu'il me suppliait de lui pardonner. Après cela, nous discutâmes théâtre, littérature, politique, mode même, tout sujet dont mon mari ne m'entretenait jamais. Robert me parla de tout sauf d'amour, ce dont je lui sucrai. Au bout de 2 heures, nous nous séparâmes après qu'il m'eut arraché la promesse de le revoir encore une fois avant son départ, qui était, me dit-il, retardé d'une 8aine de jours. Nous prîmes donc rendez-vous pour le lundi suivant, au même endroit. Et quelques semaines plus tard, vous deveniez la maîtresse de M. Dubois. 1 mois, exactement, après notre première rencontre. Passons maintenant à cette soirée du 21 février dernier qui devait se terminer si tragiquement. Et veuillez dire à messieurs les jurés comment vous fûtes amené ce soir-là à commettre votre double meurtre. J'avais décidé avec Robert de fêter chez lui l'anniversaire de notre amour. J'étais tellement impatiente de rejoindre mon amant que j'arrivais une demi-heure en avance rue de Chazelle. Madeleine, la vieille bonne de Robert, vint m'ouvrir. Oh, c'est madame. Bonsoir, Madeleine. Oh, madame, à son manteau tout couvert de neige. Que madame me le donne. Je vais le faire sécher. Merci. Je suis la première. Monsieur Robert n'est pas encore rentré, mais il ne va certainement plus tarder maintenant. Si madame veut venir s'installer dans le studio, elle va pouvoir se réchauffer en attendant le retour de monsieur Robert. Oh, le beau feu de bois. Monsieur Robert, dites par un froid pareil, les radiateurs ne chauffent pas assez. Et comme il sait que madame est très frileuse, il m'a recommandé avant de s'en aller de faire flamber quelques bûches. Cette attention ne m'étonne pas de lui. Ah, ça pourrait être attentionné, on peut dire qu'il l'est. Ah si, tenez, c'est lui aussi qui a eu l'idée de faire dresser cette table avec ses 2 couverts, là, tout près du feu. Mmh. Et qui a pensé à me commander le même menu que le soir où madame est venue dîner ici pour la première fois, il y a de cela... Juste 1 an. Déjà? Mais oui. C'est moi aussi qui avais eu ce soir-là le plaisir d'ouvrir la porte à madame. Le plaisir est gentil. Oui, c'est vrai. Si Robert était alors si seul, si cafardeux, ne vivant qu'avec les photographies et les souvenirs de sa pauvre femme... Oh, pardon. Il n'y a pas de mal. Ça fait combien de temps que vous êtes au service de Monsieur Dubois? Oh là là, ça fait longtemps. Et d'après ce que j'ai pu constater, vous vous entendez très bien tous les deux. Bon, c'est-à-dire, on chamaille souvent. Comme tous les vieux ménages. Ah, monsieur Robert me met à la porte à peu près 1 fois par mois et de mon côté, je lui donne mes 8 jours tous les 15 jours, mais on sait bien au fond tous les deux qu'on pourrait pas se passer l'un de l'autre. Vous avez dû être un peu agacée, un peu jalouse lorsque monsieur Dubois s'est marié. Oh, au début, bien sûr, ça changeait nos habitudes, mais je m'y suis fait assez vite. Est-il exact que je ressemble beaucoup à votre ancienne maîtresse? Oh, ça non, par exemple, non, pas du tout. Oh, vous êtes brune, pas très grande, et madame Thérèse était grande, mince et blonde comme les blés. Ah, ce qui ne veut pas dire que vous êtes moins bien qu'elle, ça. C'est un autre genre, voilà tout. Madame Thérèse n'était d'ailleurs pas que jolie. Elle était douce avec ça, et simple, et gentille, et courageuse. De comme elle, ça n'existe sûrement pas. Oh, oh zut, zut. Voilà encore que j'ai gaffé. Mais non. Oh, vous. Et puis le passé, c'est le passé, comme on dit. Vous êtes trop intelligente, j'en suis sûre, pour être jalouse d'une morte. Robert, vous parle-t-il quelquefois d'elle? De madame Thérèse? Oui. Quelquefois, oui, mais moins souvent pourtant qu'avant. De quoi est-elle morte? Comment? Monsieur Robert ne vous a jamais raconté? Il m'a simplement dit qu'il l'avait perdue sous l'occupation, c'est tout. Mais Robert se fait bien attendre. Oui, il est vrai que je suis arrivée en avance. Oh, et puis il a beaucoup de travail. Vous savez, en ce moment, pour les fourreurs, c'est la pleine saison. Il y a des soirs où ils dînent au magasin, où ils ne rentrent pas avant 11h ou quelquefois minuit. C'est le seul moment qu'il dit où il est tranquille pour faire son courrier et vérifier sa comptabilité. Mais entre nous... Je suis sûre que c'est surtout parce qu'il ne peut pas supporter seul ici. Je parierais bien que si vous viviez là, M. Robert s'arrangerait, malgré son travail, pour rentrer plus tôt.
Souvent d'ailleurs, je me suis demandé pourquoi vous ne vous mariez pas tous les deux. Ce serait tellement plus simple. Vous ne trouvez pas? Mais oui, certainement. Quel âge avait-elle lorsqu'elle est morte? Madame Thérèse? Pas tout à fait 25 ans. Et elle s'était mariée? Oh, toute jeune. 18 ans, 19 ans et demi. Non, plutôt 18 ans et demi. Comme M. Robert a été mobilisé en 39 et fait prisonnier, ils ont juste passé quelques années ensemble, mais quelles années! Jamais le plus petit nuage entre eux, la plus petite discussion. Ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Il a fallu que cette sacrée guerre les... Elle est morte pendant que Robert était prisonnier. Il l'a pas revue. C'est vous qui l'avez soignée? Ouais, non, je l'ai pas soignée. Si je l'avais soignée, je suis bien sûr qu'elle serait encore là. Ah, j'entends Monsieur Robert. Je vous laisse. Je vais finir de préparer le dîner. Bonsoir, Simone. Il y a longtemps que tu es là? J'avais tellement hâte de te rejoindre que je suis arrivée en avance. Madeleine m'a tenu compagnie. Ben, au moment où j'allais quitter le magasin, une cliente est arrivée qui a essayé... Oh, j'exagère pas, tiens, une douzaine de manteaux. Et qui, bien entendu, en a acheté aucun. Si, deux. Deux très beaux, d'ailleurs. Ah, je pardonne un peu alors la New York, elle nous a volé. Portons. Oui, volontiers, ça me réchauffera, tiens. Ah, oh, quel temps. Ah, oh, affreux. Hein. À nos amours. Oui. Tu n'as pas eu trop de mal à obtenir ta soirée? Pourquoi? J'ai dit à mon mari que je dînais chez Marguerite et que nous irions ensuite au cinéma. Et il t'a cru? Pourquoi ne m'aurais-tu pas cru? Encore un peu de porto? Non, merci. Enfin, conviens qu'il est tout de même de bonne composition, ton mari. C'est pas à toi de le lui reprocher. J'en arrive parfois à me demander s'il est vraiment aussi jaloux que tu le penses. Et s'il souffrirait autant que tu le prétends, s'il apprenait un jour que... Quelle curieuse manie tu as prise depuis quelque temps, Robert, de me questionner sur ce que ressentirait exactement mon mari s'il apprenait que je le trompe. Tu finiras par nous porter malheur. Nous tuerait-il? Se tuerait-il? Ou bien demanderait-il simplement le divorce? Ah, ça certainement pas. Pas une seconde, il n'envisagerait cette solution. Hein? Je n'en suis plus, parlons d'autre chose, nous avons une grande soirée à nous, ne la gâchons pas. Oui. Tu as raison. Dis-moi, quel film auras-tu été voir ce soir avec ton amie Marguerite? J'en ai aucune idée. Au moment de partir d'ici, je consulterai le programme des cinémas et je me déciderai. Et si ton mari te demande le sujet du film en question? J'aurai soin de prendre un film historique. Je serai sûre comme ça de ne pas gaffer. Oui, à condition que le scénariste n'ait pas trop collaboré avec l'histoire. Pour ne pas courir ce risque, j'éviterai de choisir un film américain. Simone? Oui? De quoi avez-vous parlé avec Madeleine? De tout et de rien. De rien d'important, en tout cas. Ah si, pardon. Madeleine m'a demandé pour quelle raison nous ne nous marions pas. Que lui as-tu répondu? J'ai changé de conversation. Je pensais d'ailleurs qu'elle savait que j'étais mariée. Mais par qui voudrais-tu qu'elle l'ait su? Je n'ai pas éprouvé le besoin de la mettre au courant. Toi non plus. Alors? Est-ce que tu peux être nerveux ce soir, Robert? Jamais je ne t'ai vu comme ça. Tu ne cesses de t'asseoir, de te lever, de marcher comme un lion en cage. Et pas une fois encore, tu es venu t'asseoir là, pas une fois sur notre divan. Tu ne m'as même pas embrassé lorsque tu es arrivé. Mais si! Mais non! Allons. Allez, venez tout de suite ici, monsieur. Prenez votre maîtresse dans vos bras. Là, serrez-la très fort, très fort. Et dites-lui que vous l'aimez autant. Non, pas autant. Bien plus qu'il y a un an. Tu le sais bien. M'avais-tu alors assez imploré, supplié pour que je consente à venir dîner ici, tête à tête avec toi? Sais-tu, je puis te l'avouer maintenant que si j'ai fini par te céder, c'est alors bien plus pour toi, pour ne plus t'entendre soupirer, te lamenter que par véritable passion de ma part. Oh, certes, tu me plaisais. J'avais un grand plaisir à passer de longues heures avec toi. Mais je n'éprouvais pas le désir irrésistible de t'appartenir. Je le sais. Je dois honnêtement reconnaître que tu t'es bien rattrapé depuis. Petit à petit, tu m'as conquise, possédée. Et aujourd'hui, je t'aime. Je t'aime si profondément de tout mon cœur, de toute ma chair, que rien ni personne ne compte plus pour moi. Que toi. Moi et ton mari. Ne dis pas de bêtises. Mais tu sais très bien que si tu me le demandais, je n'hésiterais pas, au risque d'un drame, à tout abandonner. Mais je suis bien tranquille, tu ne me le demanderas pas. Tu ne me le demanderas jamais.
car tu ne pourrais pas supporter l'idée qu'une autre femme puisse prendre ici la place. Tais-toi. Mais... Entrez. Il est 8 heures. Est-ce que je peux servir? Oui, sers. Tiens, assieds-toi près du feu. Comme il y a un an. Oui, comme il y a un an. Potage à la tomate. J'ai ajouté au menu prévu ce potage. J'ai pensé que par ce froid, ça vous ferait du bien. Excellente initiative. Je n'en ai que des comme ça. Et si Monsieur Robert m'écoutait un peu plus souvent... Mais je t'écoute toujours, Madeleine. Et je suis scrupuleusement tes conseils. Que vous dites. Comment que je dis? Oui, oui. Encore un peu de potage, madame? Je veux bien, il est exquis. Merci. Et vous? Non, merci. Alors, je vais chercher la suite? Oui, c'est ça. Et toujours comme il y a un an, nous allons dîner au champagne. Je me souviens que quand j'étais petite, j'avais une peur terrible du bruit que faisaient en sautant les bouchons de champagne. Ça me faisait l'effet de coups de revolver. Je bois... Non, mon chéri, non, moi d'abord. Je lève ma coupe à notre bonheur et je forme des vœux pour que ce premier anniversaire de notre amour soit suivi de beaucoup d'autres. Oh! Oh Dieu, je suis maladroite. Enfin, comment ai-je pu laisser échapper cette coupe? L'émotion, sans doute. Oh, c'est du verre blanc. Ça porte bonheur. Ah non, je t'en prie, ne dis pas ça. Mais mon chéri... Oui, en 39, à la veille de mon départ pour le front, Thérèse et moi avons été dîner au restaurant. Comme tu peux l'imaginer, nous n'étions pas très gais. Nous nous efforcions pourtant de nous donner mutuellement le change. À la fin du repas, Thérèse venait de boire à mon rapide retour, à notre réunion prochaine... lorsque son verre lui glissa aussi brusquement des mains et se brisa en 1000 morceaux. Alors, comme toi, elle s'écria, « Du verre blanc, tant mieux, ça porte bonheur. » C'était vrai, puisque tu es revenu. Oui, mais elle est morte. Et de quelle façon? Plusieurs fois, j'ai essayé de t'interroger à ce sujet. Et j'ai toujours éludé la question. C'est vrai. Mais ce soir... Thérèse est morte en déportation à Dachau. Ah ? Ah ! Saumon fumé. Bon, ben apporte aussi la suite. Tu poseras tout sur cette table. Nous nous servirons nous-mêmes. Bon, bien. Tu me disais donc que ta femme... Thérèse faisait partie d'un réseau. Elle avait déjà accompli plusieurs missions lorsqu'elle fut dénoncée par un agent à la solde de la Gestapo. Un Français? Oui, un Français. Quelle horreur. Quelle horreur, en effet. J'espère que cet homme a été arrêté, jugé, fusillé. Non. Oh. Grâce à son avocat, qui a su habilement créer un certain doute, ce misérable a été acquitté par le tribunal militaire. Et tu es certain, toi, que c'est lui qui l'a dénoncé? Avant de mourir... Thérèse m'avait écrit une lettre que m'a remise à son retour une de ses compagnes de déportation. Et dans celle-ci, ma femme me désignait l'individu en question avec preuve irréfutable à l'appui. Oui. Comme on me l'a demandé, voilà la suite. Foie gras et salade. Bon, pose ça là. Je vais chercher le fromage et les gâteaux. Ben, quand nous en serons là, je te sonnerai. Ah bien? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi fais-tu cette tête? Il y a quelque chose qui ne va pas? Vous m'aviez dit que je serais libre. Je pensais que vous n'aviez plus besoin de moi ce soir et je voulais en profiter pour aller jusque chez ma sœur. Elle vient de faire une mauvaise grippe et... Oui, mais je sais. J'ai pas eu des nouvelles depuis plusieurs jours. C'est ça, oui, mais c'est vrai, oui. Eh bien, va voir ta sœur. Je ferai le service moi-même, va. Merci. Bonne soirée. Et devant la carence de la justice, tu n'as pas songé à venger toi-même ta malheureuse femme? Si. Naturellement. Et tu ne l'as pas fait? Non. Et pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de cet horrible drame? Pourquoi ne t'es-tu jamais confié à moi? Et pourquoi, brusquement, ce soir? Bah, il y a certaines minutes où on se sent plus déprimé, où les nerfs claquent, où on est plus enclin à se laisser aller aux confidences. Mon pauvre chéri. P.
Perdre un être cher de maladie est déjà affreusement pénible. Mais du moins, on est là, près de lui, on ne le quitte pas, on l'entoure, on le soigne, on le leurre. Et lorsque la minute suprême approche, il a l'ultime consolation de sentir se poser sur sa main qui se glace la chaleur d'une main aimée. Mais là, Thérèse, enfin, cette femme pleine de jeunesse, en pleine santé, habituée à être choyée, entourée, et qui a agonisé des mois et des mois, seule, loin de toute tendresse, de toute affection. Oh, quel cauchemar. Robert. Lorsqu'à mon retour de captivité, j'ai appris l'affreux calvaire qu'avait subi ma femme. J'ai vraiment cru que je ne survivrais pas. Et je t'avoue que sans le dévouement de ma vieille Madeleine, et plus tard, sans ton affection, sans ta tendresse. Si j'avais su, j'aurais été encore plus près de toi. Mon chéri. Tu es bonne. Oui, je le sais. Et dire qu'un jour, tu me feras peut-être souffrir. Non, ça m'étonnerait. Qui peut répondre de soi, ce sera peut-être moi qui te ferai du mal. Du mal? Ce que je t'ai dit là n'est en réalité qu'une vue de l'esprit, une supposition qui sans doute ne se réalisera jamais. Si pourtant la vie, les circonstances, enfin une volonté plus forte que la mienne m'amenait à commettre envers toi une action, enfin à ce que tu sois un jour meurtri par ma faute, je tiens à ce que tu saches que ce serait parce que je n'aurais pas pu agir autrement. Parce que je... Que veux-tu dire, Robert? Je ne comprends pas. Pourquoi? Comment pourrais-tu être amené à me faire du mal malgré toi? Oui, oui, bien sûr, tu as raison. Oui, c'est absurde. Non, non, je t'ai dit ça. Enfin, ne fais pas attention ce soir. Tu vois, je ne suis pas tout à fait dans mon état normal. J'ai l'impression, en effet, que je me trouve en face d'un être qui n'est plus toi. Que je ne connais pas. D'un homme... D'un pauvre homme. Oh. Moi qui me faisais une telle fête de cette soirée. Oui, je l'ai ridiculement gâchée. Peut-être préférerais-tu que je m'en aille. Que je te laisse seule. Oui. Ça vaudrait peut-être mieux, oui. Oui. Oui, va-t'en. Va-t'en. Robert. Va-t'en, oui. Mais, va-t'en. Mais Robert, mais calme-toi. Calme-toi, mon chéri, calme-toi. Mmh. Non, dès que je sentirai un peu moins exalté, un peu plus maître de toi, je m'en irai, je te le promets. Il sera trop tard. Trop tard? Il est déjà trop tard. Je ne comprends pas. On a sonné. Qu'est-ce que c'est? Tu attends quelqu'un? Mais non, j'attends personne. Qui veux-tu que j'attende? C'est certainement une erreur. N'insiste. T'écoutes quoi dans la porte maintenant? Reste là, je vais voir. Ouvrez! Robert, c'est mon mari. Du calme, ma chérie, du calme. Ouvrez ou j'enfonce la porte! Non, t'ouvre pas, je t'en supplie. Entre dans la chambre, ne bouge plus. Eh bien, qu'est-ce qui vous prend? De quel droit vous permettez-vous de donner des coups de poing dans ma porte? Et d'abord, qui êtes-vous? Hein? Armé avec ça? Je vous avertis que si vous êtes venu avec l'intention de me cambrioler, vous perdez votre temps. Je ne garde jamais d'argent chez moi. Où se cache ma femme? Ah, bon, très bien, j'ai compris. Je n'ai pas affaire à un cambrioleur, mais à un mari jaloux. Dans ce cas, il y a erreur. Vous vous êtes trompé d'étage, monsieur. Vous êtes bien monsieur Robert Dubois? Lui-même. Ces deux couverts vous fournissent la preuve que votre arrivée inopportune a interrompu un agréable tête-à-tête. Vous reconnaissez donc qu'une femme est ici et qu'elle se cache? J'aurais mauvaise grâce à soutenir le contraire. Mais je ne vois vraiment pas ce qui vous autorise à en conclure que cette personne est nécessairement votre femme. J'ai reçu ce matin une lettre anonyme. Quelle horreur! Lettre dans laquelle on me dit que ma femme est votre maîtresse et que si je veux en être convaincu, je n'ai qu'à me rendre ce soir chez vous, rue de Chazelle, entre 8 et 9 heures. Une lettre anonyme. Et vous ne l'avez pas déchirée, jetée au panier? Je m'en irai pas avant d'être certain que la personne qui se cache ici n'est pas ma femme. Vous êtes vraiment d'un entêtement et d'une indiscrétion. Laissez-moi passer! Pas question! Ah, prenez garde! Si comme tout me le fait supposer, c'est bien Simone qui se trouve derrière cette porte. Soyez sûr que je n'hésiterai pas à vous abattre comme un chien. Et comme je ne suis pas armé, vous aurez la partie belle. Pour la dernière fois. Il est vrai que vous n'êtes pas à un crime près. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous savez très bien ce que je veux dire. En me tenant ainsi en joue, vous risquez d'être tenté de tirer avant que j'aie pu vous fournir certaines explications auxquelles vous avez droit. Posez donc ce revolver. Nous serons plus à l'aise pour bavarder un peu. Vous pouvez être tranquille, je ne bougerai pas d'où je suis.
et dès la fin de notre entretien, il vous sera loisible de me tuer, comme vous en avez manifesté l'intention. Je vous donne ma parole que je ne ferai pas un geste pour vous en empêcher. Alors, posez ce revolver. Eh bien, posez-le, voyons. C'est en effet avec votre femme que j'avais l'agrément de dîner lorsque vous êtes arrivé. Et c'est bien elle qui se trouve là, dans cette chambre. Misérable. Alors, du calme. Si vous commencez déjà à vous énerver, que sera-ce tout à l'heure? Non seulement votre femme est ma maîtresse, mais c'est encore moi qui ai eu la délicate pensée de vous avertir de votre infortune en vous adressant la lettre anonyme que vous avez trouvée dans votre courrier ce matin. Vous? Oh, je reconnais volontiers que vis-à-vis de Madame Dermont, mon geste manque d'élégance. Je m'en rends si bien compte que quelques minutes avant que vous arriviez, j'ai failli flancher, oui. J'ai crié à Simone de s'en aller. Si elle m'avait alors écouté, je n'aurais rien fait pour la retenir. Elle est restée. Elle n'avait plus alors qu'à laisser se dérouler les événements tels que je les avais voulus, tels que je les avais minutieusement préparés depuis un an. Un an? Oui, depuis un an. J'attends cette minute. Cette minute où vous allez enfin payer. C'est vous qui allez payer. Changez pas les rôles. Dans la lettre anonyme en question, le nom de l'homme que je vous indiquais comme étant celui de l'amant de votre femme, c'est-à-dire le mien, ne vous a rien dit, n'a éveillé en vous aucun souvenir. C'est très compréhensible. En France, les Dubois se comptent par milliers. Et puis, s'il fallait que vous vous souveniez des noms de tous ceux et de toutes celles que pendant 4 ans vous avez livrés à la Gestapo... Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes fou? C'est qu'une charge de mandataire oral, ça coûte cher. De nombreuses têtes vous ont été nécessaires pour vous l'offrir. En voilà assez! Je n'ai pas pu témoigner au procès. J'étais pas rentré de captivité lorsque vous êtes passé devant le tribunal militaire. Qui a reconnu mon innocence? Qui, faute de preuves absolues, vous a acquitté. Mais moi, j'ai là, de la main de ma femme, la preuve certaine de votre ignominie. Oh, vous osez parler d'ignominie à un homme dont vous avez pris... Jusqu'à mon retour d'Allemagne, j'ai appris en même temps que votre crime, votre acquittement, mon premier mouvement, a été de vous abattre. Mais j'ai réfléchi. J'ai pensé que quelques minutes d'angoisse devant le canon d'un revolver, c'était vraiment bien peu de choses comparé au supplice de ma femme, qui durant des mois et des mois avait agonisé lamentablement à Dachau. Vous méritiez mieux que ça. Je me suis alors renseigné sur vous, sur votre genre de vie, sur ce qui vous tenait véritablement à cœur. L'individu le plus abject a toujours, malgré tout, une faille. Le tout est de la découvrir. Et c'est ainsi que j'ai su que vous adoriez votre femme, qu'elle était tout pour vous, et que vous aviez une confiance aveugle en elle. Je connaissais alors votre point faible. Je savais comment vous atteindre sûrement, profondément, définitivement. Je vous tenais. Ah si, c'est par vengeance. En la livrant, vous m'avez fait perdre ma femme. Eh bien, je vous ai pris la vôtre. Salaud. Mais il ne me suffisait pas qu'elle fût ma maîtresse. Ce que je voulais, c'est qu'elle m'aime. Vous entendez? Qu'elle m'aime ardemment, totalement, qu'elle soit mienne, au point d'être décidée à vous quitter pour me suivre. Elle ne l'a pas fait. Elle était prête à le faire. En tout cas, aujourd'hui, elle m'appartient de tout son cœur, de tout son corps. Taisez-vous. Et je puis disparaître. Vous pouvez me tuer. Vous ne pourrez plus faire qu'elle garde à jamais le goût de mes baisers, le souvenir de nos caresses. Taisez-vous donc. Et ça n'est plus. Elle ne sera à vous m'entendez jamais. Elle le voudrait qu'elle ne le pourrait pas. Mais j'ai fini. Vous pouvez tirer maintenant. Non. Non, je vous tuerai pas. Comme vous me l'avez dit vous-même tout à l'heure, ça serait trop simple. Trop vite fait. Vous avez frappé juste. Vous m'avez atteint en plein cœur. Simone était, en effet, tout pour moi. Ma femme, ma maîtresse, mon amie. En me la prenant, mais tout pris. Eh bien, à mon tour, je vous condamne à vivre avec elle. Avec elle que vous n'avez plus le droit d'abandonner et qui ne pourra jamais vous pardonner d'avoir joué avec son cœur dans le seul dessein de vous venger de moi. Et cet amour que vous avez voulu complet, total, ne sera plus maintenant de sa part qu'une haine implacable. Voici la vie qui désormais vous attend. Robert. Je m'étais juré de venger Thérèse. Mais pourquoi sur moi? Étais-je responsable de ce qu'avait pu faire mon mari que je ne connaissais même pas sous l'occupation? Je te demande pardon. Si pendant un an tu as pu me jouer la comédie de l'âme. Je t'ai aimé. Je t'aime. Je te le jure. Ah non, pas ça, pas ça.
je t'en prie. Non, au début, c'est vrai, en t'écrivant ces lettres, je ne poursuivais qu'un but. Quel but? Et les premières fois où tu es venu me retrouver ici, je reconnais que je pensais surtout à... À la lettre anonyme que tu adresserais à mon mari le jour où tu serais certain que je t'appartiendrais entièrement, totalement, comme tu dis. Simone. Ton amour mensonge, déserrement, mensonge, tout chez toi était prévu, calculé. Et lorsque tu me tenais dans tes bras, que tu me sentais de plus en plus tienne, tu triomphais en pensant que l'heure de ta vengeance approchait. Je te jure que peu à peu et presque à mon insu, je me suis attaché à toi. Mon étrange attachement qui devait avoir pour conclusion une lettre anonyme dont tu étais l'auteur et un flagrant délit organisé par toi. Et pourquoi n'es-tu pas parti lorsque je t'ai crié de t'en aller? Oh, par ta faute, ma vie est à jamais brisée. Si tu le voulais, nous pourrions peut-être essayer de... Autant je t'ai aimé, autant je te hais. Et le geste devant lequel mon mari a reculé. Non, mais tu es folle. Veux-tu laisser ce revolver? Non, je... Veux-tu? Vous étant emparé du revolver laissé sur la table par votre mari, vous avez tiré sur votre amant. D'après le rapport du médecin légiste, la balle a atteint M. Dubois en plein cœur. Une fois ce meurtre accompli, vous avez mis le revolver dont vous veniez de vous servir dans votre sac et vous vous êtes enfui. Étiez-vous décidé alors à tuer votre mari? Non, monsieur le président. J'ai commencé par errer dans les rues. Puis, avant d'aller me livrer à la justice, je suis montée chez moi. J'ai sonné. C'est mon mari qui est venu m'ouvrir. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai à te parler. Je ne désire pas t'entendre. Il est pourtant indispensable. Fous-moi le camp. Je m'en irai pas avant de t'avoir mis au courant. Ah oui, j'ai compris. Après mon départ, cet individu a provoqué une scène entre vous et en a profité pour te laisser tomber. Tu t'es alors précipité ici dans l'espoir de m'apitoyer et avec l'idée de me raccrocher. Eh ben, ne compte pas là-dessus, ma petite. J'en crèverai peut-être, mais jamais, tu m'entends bien? Jamais je ne te reprendrai. Au lieu de perdre ton temps, tu ferais mieux d'essayer de remettre la main sur ce... Robert est mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je l'ai tué. Ah! Nous n'en sommes plus à un crime, près. Ouais, mais celui-là, je le revendique. Mais tu n'as rien à revendiquer. Ce meurtre est bien le tien. C'est toi qui l'as tué, Robert. Tu l'as tué par personne interposée, comme tu l'avais déjà fait pour sa malheureuse femme et pour toutes celles que tu as dénoncées. Oui, oh, je commence à me demander si tu as vraiment toute ta raison. Dire que j'ai pu vivre des années auprès de toi sans soupçonner l'homme que tu étais et tous les crimes que tu avais à ton actif. Ah, oh, si tu pouvais savoir comme je te méprise. Je me moque bien de ton mépris. Il me rend d'ailleurs compte maintenant que je ne t'ai jamais aimé. Aimé comme tu le souhaitais, ouais, comme tu le croyais. Ouais, oui. Comme je l'ai cru moi-même jusqu'au jour où je l'ai rencontré. Lucien. Ah, tu avais vraiment bien placé ton amour. À présent qu'il n'est plus, je ne me souviens plus. Je ne veux plus me souvenir que des heures merveilleuses que j'ai passées pendant un an près de lui, grâce à lui. Si tu savais comme il était doux, tendre. Pour parvenir plus sûrement à son but. Quelle joie inconnue de moi. Jusque-là, j'éprouvais à me trouver dans ses bras. Qu'attends-tu pour y retourner? Mais du dégoût, de l'immense dégoût que j'avais en rentrant. Être contraint de me coucher près de toi, de subir tes caresses. Oh, voilà, c'est... Si allez, allez, va, continuer à délirer en prison. Je savais, comme tout ce qui peut m'arriver maintenant, ça m'est égal, tu comprends? Que peut bien me faire le sort qui m'attend, puisque j'ai tué le seul homme qui m'a fait connaître l'amour. L'amour! L'amour que tu as été incapable de me révéler. Tais-toi! Je te fais mal, hein? Tu souffres, hein, dans ton amour, dans ton orgueil. Toi qui étais si sûr de toi, si sûr de moi, tu as été bafoué comme les autres. Oui, prends garde, ne me pousse pas à bout. Oh, mais tu ne me fais pas peur, je te défie. Il m'a tué. C'est bien trop lâche. Un assassin par procuration. Ça, oui. Oh, ça, oui. C'est ton fort. Oui, et tu l'as prouvé. Si je ne te tais pas immédiatement, tu l'as... Allez, mais vas-y, mais serre. Mais serre donc si tu en as le courage. Casse, allez. Alors que votre mari, fou de rage, tentait de vous étrangler, vous parveniez à vous saisir de son revolver qui se trouvait dans votre sac et vous tiriez à bout portant. Tout fait supposer que, comme pour votre amant, la première balle avait été mortelle. Ce qui ne vous empêcha pas de vous acharner cette fois sur le cadavre et de le cribler de 3 autres balles. Le reconnaissez-vous? Je le reconnais. Thank you.
voici plus d'une heure que le jury délibère. Quelle minute affreuse doit vivre cette malheureuse. Enfin, une malheureuse qui a tout de même deux morts sur la conscience. Elle a pour elle tant de circonstances atténuantes qu'elle aurait dû être acquittée après cinq minutes de délibération. La petite porte du fond vient de s'ouvrir. J'ai les nerfs tendus à craquer. Ah, voici les jurés qui reprennent place à leur banc. Messieurs, la cour. Nous allons connaître le verdict. Garde, faites entrer l'accusé. La cour, après en avoir délibéré, a répondu non à toutes les questions posées par l'acte d'accusation. Non à toutes les questions? Mais Henri, non à toutes les questions, mais c'est... C'est l'acquittement. Je bénis, ma chère Lise, notre rencontre d'avant-hier aux assises qui me donne le plaisir de vous avoir ce soir à dîner. Au restaurant, car je suis, moi, une femme prudente qui se méfie des garçonnières et de leurs conséquences. Comme elle a dû souffrir pour en arriver là. Espérons que le temps lui apportera, sinon l'oubli total, du moins... Comment, vous n'avez donc pas lu les journaux du soir? Mais non, pourquoi? Attendez. Écoutez, on a découvert ce matin, dans une chambre d'un hôtel proche de la gare Saint-Lazare, le cadavre de la veuve d'Hermont, meurtrière de son mari et de son amant, dont l'acquittement a fait couler tant d'encre et soulevé de si vives controverses. Le suicide ne faisant aucun doute, le permis d'inhumer a été accordé. La victime. Nouvelle dramatique de Raoul Praxi avait pour interprète Suzy Prime dans le rôle de Simone, Henri Guizol dans le rôle de l'amant, Marcel André dans le rôle du mari, et Louis Arbessier dans le rôle du président du tribunal. Avec Geneviève Morel, Anne-Marie Duvernay, Lucienne Legrand, Jean-Claude Michel, Jean Bollo et Maurice Pierrat. Prise de son Noël Barbet. Bruitage, Gabriel de Rivage. Et c'est maintenant notre fait divers concours que nous vous prions d'écouter, afin de vous permettre de participer à notre jeu hebdomadaire « Attention aux machines ». En répondant à la question que nous allons vous poser dans un instant, vous pouvez gagner un des lots importants qui vous sont offerts chaque semaine par l'Institut National de Sécurité. En réalité, ce sont deux faits divers dont nous allons vous donner lecture aujourd'hui. Les voici. Séfrin ayant cédé, un camion chargé de minerais dévale à pleine allure une descente et va s'écraser contre le mur d'une maison d'habitation. Le chauffeur est tué sur le coup. Deuxième fait divers. Assis sur la ridelle arrière d'un camion chargé d'un matériel de peinture, un ouvrier tombe à la renverse à la suite d'un démarrage brutal. Transporté à l'hôpital, il a été diagnostiqué une fracture du crâne. Nous n'avons cité que ces deux cas. Mais on pourrait multiplier à l'infini ces exemples d'accidents survenus au cours de transports de matériel ou de personnel. On pourrait épiloguer sans fin sur les circonstances et les causes de ces drames qui, souvent, se soldent par des pertes de vie humaine. La vraie cause est l'inobservation des règles de sécurité imposées pour les transports de personnel et de matériel. Les connaissez-vous, ces règles? Sans doute. Alors, répondez à la question que nous allons vous poser. Primo, quelles sont les recommandations principales à formuler en matière de transport de personnel dans les camions d'une entreprise? Secondo, trouver un slogan ayant trait aux précautions à prendre dans ce cas. Cette deuxième question servira seulement à départager des ex-aequo possibles. Postez vos réponses au plus tard dimanche prochain à l'adresse suivante, concours Attention aux machines, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. Soyez bref dans vos réponses qui doivent tenir sur une seule feuille de papier du format commercial courant et utilisée d'un seul côté. N'oubliez pas d'indiquer vos noms et adresses et de préciser votre profession. Indication obligatoire. Les résultats vous seront communiqués dans deux semaines. Après les rubriques habituelles de Germaine Beaumont et de Roger Régent, nous vous donnerons les résultats du concours du 4 décembre. Petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures.
les livres lus par Germaine Beaumont. Il m'en coûterait de passer sous silence le dernier roman de E.C.R. Lorac, paru dans la collection Le Masque, et intitulé « Demandez à l'agent ». Il est bien meilleur que les deux romans précédents du même auteur et publiés dans la même collection. Mais il se recommande surtout aux amateurs de romans policiers classiques se déroulant en Angleterre, c'est-à-dire des romans d'ingéniosité et d'atmosphère, exempts de bagarres et de mitraillettes. Celui-ci se passe dans un charmant quartier résidentiel de Londres, St. John's Wood, réputé jadis pour son élégance, mais qui, depuis la guerre, s'est assez fâcheusement modernisé, bien qu'on y trouve encore de vieilles maisons, comme celle où se déroule l'action de « Demandez à l'agent ». Dans cette maison, convertie en appartement meublé et appartenant à une actrice jadis célèbre, un certain Keith MacAmboine aurait résidé, du moins c'est ce qu'affirme une tante d'Australie, venue pour lui rendre visite. Or, personne ne se souvient de cet homme, qui était, paraît-il, écrivain et journaliste. Et comme il suffit de très peu de choses pour déclencher un drame plus vaste, voilà que tout le monde se met à chercher Keith MacAmboine, disparu très mystérieusement, jusqu'au moment où l'on repêche un certain cadavre au fond de la Tamise. Est-ce le cadavre du disparu ? L'atmosphère de la maison meublée et de ses locataires disparates. La progression même de l'enquête, tout cela est du meilleur Lorac, avec cette réserve toutefois que la conclusion ressemble à ces plots de laine avec lesquels un petit chat aurait joué pendant longtemps. C'est néanmoins un bon roman à lire paisiblement au coin du feu. À ce livre bien fait et relativement tranquille, on ne saurait trouver de plus parfait contraste que 22 Long Rifle par Harry Whittington, édité dans la série noire Gallimard. Après les milieux journalistiques de Londres, nous nous trouvons dans les milieux policiers de New York. Après les villas entourées de jardins, nous retrouvons les bars et les pénitenciers. Le héros de l'action est un lieutenant de police qui, en soutenant la pègre qu'il aurait dû combattre, a pu accumuler une assez jolie fortune. Or, voici qu'au moment où ses chefs, longtemps indifférents à sa double activité, vont lui demander d'embarrassantes explications, il se heurte à un danger bien pire, qui est tout simplement l'amour. Il s'éprend en effet violemment, terriblement et définitivement d'une certaine Peggy Walker, laquelle vient le supplier d'arracher son mari à la chaise électrique à laquelle, pour un crime qu'il n'a pas commis, il a été condamné. Notre héros se moque éperdument des malheurs du mari, mais il ne peut rien refuser à Peggy. Il se jettera donc dans une aventure tragique, puisqu'il deviendra meurtrier à son tour, et tout cela dans une atmosphère de passion, de violence et de désespoir extrême. L'intérêt de ce livre réside dans le cas de conscience, imposé à un homme qui, jusqu'ici, n'a obéi qu'à ses instincts, et qui, si dur, si dévoyé qu'il soit, sauve son âme en perdant son amour. Ce conflit cornélien au pied des gratte-ciel mérite, ce me semble, une mention spéciale. Les spectacles vus par Roger Régent. Le cinéma d'essai, et il remplit ainsi sa mission le plus utilement du monde, nous a révélé cette semaine le cinéma grec avec un film de l'écrivain metteur en scène Mikael Kakoyanis, La fille en noir. C'est la première fois que le public français est appelé à voir un film grec, et il vient d'apprendre tout à coup qu'il y avait là-bas sur les bords de la mer Égée des hommes qui savent fort bien faire des films. Oh, cela ne signifie pas sans doute qu'il existe pour autant un cinéma grec, avec son style, ses écoles, ses tendances. Le cas de Mikael Kakoyanis est probablement isolé, mais enfin, à défaut d'un cinéma, il existe des films grecs. La fille en noir, c'est l'histoire d'une famille de petite bourgeoisie déchue qui habite l'île de Hydra au large d'Athènes. L'honneur de la maison est maintenu par les deux enfants, Mitso, un garçon de 17 ou 18 ans, farouche et violent, et par Marina, la fille, farouche elle aussi, et secrète et honteuse des fautes de sa mère. Si le film est parfois maladroit dans sa construction, il a en revanche une saveur de terroir qu'il rend passionnant pour nous. Le document sur la vie des petites îles de l'archipel est d'un intérêt exceptionnel et le traitement visuel de l'histoire révèle un auteur de cinéma. Il faut aussi complimenter l'interprète principal, Ellie Lambetti, qui a une flamme, une passion retenue dans le visage et dans son jeu,
un foyer, comme on dit au théâtre, qui s'adaptent admirablement à ce personnage de Columba des Cyclades. Du côté français, outre l'intéressant Crime et Châtiment dont je parlerai la semaine prochaine, rien de marquant à signaler. Ce club de femmes que l'on nous donne aujourd'hui est une adaptation au goût actuel d'un vieux scénario de Jacques Deval que l'auteur lui-même avait réalisé il y a une vingtaine d'années. Il ne reste plus grand-chose de l'histoire première, autant dire rien du tout. Les personnages de ce nouveau club de femmes sont de jeunes étudiantes, sans logement, et qui se transforment en squatteurs. Elles s'installent dans un vieil hôtel particulier de Neuilly et attendent, là, la police de pied ferme. Cela a un petit côté dortoir des grandes et se transforme vite en scène de striptease collectif. On voit tout de suite où le metteur en scène veut en venir. C'est réalisé par Ralph Habib, qui n'a pas su enlever son film. Il a fait jouer ses acteurs beaucoup trop lents, et tout le rythme général est mou et trop détendu. Ce genre d'histoire doit être traité beaucoup plus alertement. D'une nombreuse distribution, il faut pourtant détacher Nicole Courcel, Danny Carrel, Jean-Louis Trintignant et Guy Bertil, toujours tous excellents, et une jeune actrice que je ne me rappelle pas avoir vue déjà à l'écran, Mademoiselle Françoise Delbar, qui semble avoir un tempérament dramatique et devrait faire une carrière au cinéma. Voici maintenant les résultats de notre concours « Attention aux machines » du 4 décembre. Il s'agissait, nous le rappelons, d'un accident de bicyclette dû à la rupture d'un axe de la roue avant de la machine. Voici à ce propos quelles sont les précautions à prendre dans l'utilisation d'une bicyclette. Petit A concernant le véhicule. Il faut s'assurer périodiquement du bon fonctionnement des freins, du bon état des pneus et de leur gonflage, du bon fonctionnement de l'éclairage avant et arrière, du bon état général du véhicule, que le catadioptre est propre, dans un plan perpendiculaire à la roue, et caché ni par la charge ni par les vêtements, et enfin que le timbre est entendu à au moins 50 mètres. Concernant la conduite, il faut rouler à droite, ne pas rouler à plus de 2 de front et se remettre en file en cas de nécessité ou la nuit. Ne pas changer de direction sans avoir fait au préalable un geste du bras, sans s'être assuré que l'on peut effectuer le changement de direction sans gêne pour les tiers, ni danger pour soi. Ne pas dépasser un autre usager sans s'être assuré qu'on peut le faire sans danger et que celui-ci est averti qu'il va être doublé. Respecter la priorité à droite et renoncer à la priorité plutôt qu'à la vie. S'assurer que les chargements faits sur une bicyclette sont bien arrimés et ne compromettent ni la manœuvre ni l'équilibre du véhicule. Ne jamais faire d'acrobatie en roulant. Ne jamais s'accrocher aux camions et aux autobus, et d'une façon plus générale, se conformer au code de la route. Le jury a décidé, compte tenu de la quantité et de la qualité des réponses qui lui sont parvenues, d'attribuer cette semaine 12 lots de consolation au lieu de 10. Et voici la liste des lauréats. Premier prix, un appareil de radio d'une valeur de 30 000 francs, gagné par M. Jean Pianta, 30 rue Saint-Louis à Versailles. Deuxième prix, un tourne-disque et 2 micro-sillons d'une valeur de 15 000 francs, gagné par Mademoiselle Janine Collin, 35 rue de Longvie à Reon, Meurthe-et-Moselle. Et les prix de consolation, qui consistent en un agenda en cuir pour 1957 d'une valeur de 2000 francs, sont gagnés successivement par M. Jean Brault à Châtellerault, M. Roger Tailleur à Épinal, M. Legrand à Teuville, Eure-et-Loire, M. Coursindel à Montpellier, M. Convert à Poissy, Haute-Savoie, Mademoiselle Eliette Aubrin à Renage, Isère, M. René Petit à Caluire, Mademoiselle Danielle Vigéguet à Poissy, Madame Francine Chevrel à Anglais, Basse-Pyrénées, M. Jean Debanne à Chaumont, Haute-Marne et M. René Canot à Dame Marie Lélie, Seine-et-Marne. L'Institut National de Sécurité qui vous offre ces lots les enverra directement aux gagnants. Mardi prochain, 25 décembre, nous vous présenterons, selon la tradition, un conte de Noël. J'ai un plaisir tout particulier à vous dire que cette pièce a été écrite spécialement à votre intention par un de nos meilleurs romanciers, une nouvelle recrue lui aussi pour faits divers, j'ai nommé Gilbert Cigaud, qui obtint il y a quelques années le prix Interallié. Gilbert Cigaud a intitulé son conte de Noël « Le passant de Saint-Sauveur ». Thank you.
Radiodiffusion française vous a présenté « Faits divers », une production de Pierre Véry et Maurice Renaud. Vous avez pu entendre ce soir une nouvelle dramatique de Raoul Praxi, « La victime », le concours « Attention aux machines » et le petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard.